C'est une petite vidéo rapide. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais alors, depuis quelques jours, tous les réseaux Internet sont lents chez moi, tout particulièrement sur les téléphones portables. Aussi, je trouvais aussi sur ma connexion avec la box, aussi, je trouvais que c'était lent. Et hier, balaboum, hier, je me retrouve sans connexion Internet sur la box. Donc moi je vis pas loin de l'armoire, donc je sais où se trouve l'armoire et je vois un tas de techniciens au niveau de l'armoire. Donc je vais voir, je leur dis, il se passe quoi là? Il y a pas d'internet pendant 10 jours. Je dis quoi? Au début j'ai même pas percuté, j'ai dit quoi? Pas d'internet pendant 10 jours. Je dis, vous êtes sérieux quand même? Oui, 10 jours. Okay, voilà, d'accord, je vais avoir du mal à bosser. Donc, tout ça pour vous dire que je vais peut-être faire moins de vidéos déjà d'une part. Après, comparé à ça, depuis hier, c'est badaboum au niveau des connexions téléphone portable, très très lent. Aujourd'hui, sur Bouygues, là, toute la matinée, j'avais même plus accès à Internet. Okay. C'est l'horreur. Et sur Free, c'est extrêmement lent. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement lent. Donc je sais pas, donc ça veut dire que il y aura moins de vidéos probablement. Après celle-là, je sais pas combien de temps elle va mettre pour télécharger, donc je vais la faire court. Après, en fin de journée, j'étais en train de penser, ah, ok, il n'y a pas d'internet, patati, patata, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté de la banque. J'étais à la banque, ok. Donc, voilà, il n'y avait pas de problème au niveau des distributeurs pour l'instant. Donc, je sais pas, mais pour moi, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. En sachant que je regardais hein, une vidéo là ce matin, enfin, cet après-midi surtout, pendant que je faisais d'autres choses, et la personne disait, donc c'était un Américain qui disait que. Je vais pas citer des noms parce qu'autrement, la vidéo va pas rester longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait des banques aux États-Unis qui, dans les faits, étaient en faillite, officiellement en faillite. Mais c'est pas dit dans les merdias. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans la même perspective en France? Et personne ne nous le dit parce qu'autrement, il y a des gens qui se précipiteraient pour essayer de retirer leur argent. En sachant, je disais, j'avais fait une vidéo où je vous disais que je m'étais retrouvé. Bah, c'était la semaine dernière, une étrange situation, le vendredi dernier. Je vais à la poste, la personne dit, ah, personne ne peut prendre l'argent hein, parce qu'il y a une personne qui a voulu retirer, on n'a pas pu, patati et patata. Et là, en début de semaine, il y avait un problème, ils avaient fermé comme ça. Mystérieusement, ils avaient fermé. Donc tout ça, c'est pour moi, c'est pas anodin. J'écoutais encore une vidéo que je suis toujours en train de. Je ne l'ai pas encore terminée, j'ai fait un break parce que je me suis dit, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, ça se trouve. Donc je suis obligé de télécharger, faire la vidéo sur téléphone, télécharger la vidéo, mais je ne sais pas combien de temps elle va être. Ça va prendre pour télécharger si jamais elle est téléchargée. Donc je me dis, je ne vais pas le faire ça en fin de soirée parce qu'autrement, c'est pas la peine, ça se trouve, il n'y aura plus de réseau. Donc quand je vous disais l'autre précédente vidéo, si un cas de grisou, vaut mieux. Au cas il y aura un coup de grisou, vaut mieux faire certaines choses. Hein. Ah, je suis quand même équipé, c'est bon. On devrait faire pour quelques jours. Donc 10 jours sans rien. Donc moi je calcule, donc c'était jeudi. Donc en gros, ça serait mardi prochain en 8, quoi. Entre guillemets, peut-être c'est la fin du calvaire. Enfin, pour moi, dans le sens que. Alors c'est un petit calvaire quand même, parce que voilà. Partage de connexion pour ceux qui connaissent, hein, il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Enfin, personnellement, je ne peux pas faire grand-chose avec. Quoique ça s'est amélioré. J'ai l'impression qu'en fait, les partages de connexion, dans cette situation-là, ils ont décidé de ne pas brider la connexion. Je trouve que. Parce que d'habitude, je le faisais, ça prenait énormément de temps et je trouve que j'ai accès plus rapidement aussi. Donc je me demande s'ils n'ont pas complètement débridé la connexion. Donc. Rien n'est anodin en ce moment. Toute l'actualité, c'est pour faire en sorte que les gens ouvrent les yeux et comprennent réellement ce qui se passe. Après, comme je dis, il y en a qui comprendront, il y en a qui ne comprendront pas. Après, en milieu de semaine, mercredi, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai été malheureusement, il y a des gens, il y a une personne qui, quelque part, dans la situation où elle se trouve, m'a rappelé qu'effectivement, les gens qui sont injectés, maintenant, ils ont des problèmes. Hein. Ah. Avec le C, je dis à la personne, vous étiez au courant? Elle me dit, ah non, je sais que forcément. Ok. Et puis aussi, je suis allé au supermarché. Il y a un supermarché, je peux pas rester longtemps parce que je
Je me dis que c'est plein de protéines de pointe dans l'atmosphère. Ça me picote. Je me dis, donc je fais rentre, je sors. J'y vais pas souvent, je fais une fois par mois et encore. Je traîne pas. C'est normal, il y a pas mal de personnes âgées aussi, aux heures où je viens aussi. Je visais personne. C'est. Donc, écoutez, regardez autour de vous, faites attention. Voilà, et, moi je me dis, voilà, c'est. Il y a des gens qui vont péter les boulards, ok. Je pense que la santé des gens, alors, curieusement, on ne parle pas de personnes qui passent à l'arme à gauche, on ne parle pas des gens qui ont des problèmes de santé. Ok. Et puis surtout, comparé aux États-Unis, on parle pas du nombre d'accidents de la route qu'il y a en ce moment en France. Ça serait curieux de. Je serais curieux de savoir combien il y a d'accidents de voiture, de circulation. Donc. Je vous rappelle, surtout à l'approche de l'été. Donc moi, je parlais à quelqu'un qui me disait que normalement, c'est pour la rentrée, ça devrait être chaud pour la rentrée chez nous en France. Donc, on verra. On verra. Moi, je vous dis ça aux États-Unis, ils disaient juillet. Apparemment, nous, apparemment, ils veulent nous laisser profiter, entre guillemets, de l'été, vacances d'été, tout ça. Et puis, peut-être à la rentrée, ça devrait être chaud. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu comme vous le savez. Donc, ouais, les gens, donc, ouais, voilà, c'est pas parce que ils ont décidé qu'il n'y a plus de masque à gaz et compagnie que faut se dire que la vie est belle. Non, la vie, elle est pas du tout belle, du tout. Enfin, entre guillemets, dans le sens que ben, autour de vous, vous avez un tas de gens qui sont injectés. Puis vous avez la protéine de pointe, le problème. Et puis, vous avez des gens qui vont se faire des malaises devant vous, qui vont avoir des problèmes de santé, ou qui vont aussi passer l'arme à gauche. Donc, moi, ce que je comprends, si je prends l'exemple que j'avais sous les yeux, en fait, j'ai plusieurs exemples, en fait, hein. Le dernier exemple, je me dis, ça peut prendre 6 mois. Il y a des gens, c'est immédiat, l'effet après, c'est immédiat. D'autres, ça prend un petit peu plus de temps. Ils ont le temps d'avoir des ennuis de santé, et ça dégénère. Et puis, il y en a d'autres, 6 mois plus tard, clac, c'est le coup de massue sur la tête. Bon, faut appeler un chat un chat. Si vous avez l'affaire dans votre sang, allez voir ce que les complotistes ils ont à dire. Allez, je m'arrête là. Oh.